On ne savait pas qu'on va rencontrer une famille. Vous êtes la manifestation vivante de la solidarité africaine en général et ivoirienne en particulier. Feu, le président Fouad Boigny, c'est lui qui disait qu'il est comme un caïman. Hors de l'eau, le caïman n'est rien. Hors du peuple, il n'était rien non plus. Ça se manifeste. Si on était ici que trois, on n'aurait rien fait. Sans l'intervention ô combien louable du président directeur fondateur de l'ISKE, dont pour qui les mots du dictionnaire ne suffisent pas pour dire merci. Un merci aussi va à l'endroit de M. Boko Issakala. Philippe, pour tout ce qu'il a fait. Il a été notre œil, nos oreilles ici. Tout ce qui se passait ici, on était au courant. Dans la tourmente que nous traversions, il était là. Il a fait vraiment sens et montre du dévouement et du dévouement le plus total. On lui disait: est-ce qu'il faut qu'on intervienne financièrement? Il dit non. Ça, ce n'est pas l'ordre du jour. Préparez-vous. Venez, on va accompagner dignement notre cher collègue, notre cher père. Quand on est arrivé ici, déjà l'accueil était au rendez-vous. On a été accueillis comme il fallait.
on a été accompagné dans tout ce qu'on a fait comme il fallait. Claude, il a démontré, il a su s'intégrer, il a su conquérir le cœur du pays baoulé. On n'a pas besoin de le démontrer, ça se voit. Votre présence, ça s'est vu. Toutes les cérémonies, tout ce qui s'est passé, depuis les démarches administratives, jusqu'au cimetière, en passant par l'église, vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la famille. Et je ne vois pas Clarisse, parce que je voulais dire que Clarisse et les deux enfants sont investis d'une mission. Une mission noble, parce que Claude avait souhaité l'éducation de ses enfants. Il savait que c'était le prolongement de sa vie sur Terre. Et il avait démontré, il n'hésitait pas à penser à une bonne éducation pour ses enfants, à les mettre dans les écoles qui en avaient la peine. Il vivait du peu qu'il avait, mais une bonne partie, il a réservé à l'éducation de ses enfants. Tout ce qu'on peut faire, vous, moi, monsieur le directeur, et toute l'assemblée qui est ici, c'est de continuer cette œuvre qu'avait commencé Claude. C'est-à-dire l'éducation sans faille. On ne doute aucun instant qu'au moment où on aura besoin de vous, vous serez présent comme vous l'avez été avant même de nous connaître. Je vous remercie. D'excellence pour le meilleur élève
qui sortira de l'ISCAE. Il appartiendra à la direction de l'école de décider qui est meilleur. Est-ce que le meilleur, c'est surtout le cycle? Est-ce que c'est celui qui a fait un meilleur mémoire? Ou alors, c'est celui qui a obtenu les meilleurs résultats en général? Nous, on ne peut pas intervenir, mais ce qui est sûr, et pour justement perpétuer sa mémoire, on a décidé d'instaurer le prix Eugène Claude Keramigo qui sera décerné au meilleur élève. Chers amis étudiants, j'ai dit tantôt que Dieu ne donne pas la sagesse ni l'intelligence aux paresseux. Notre frère Alphonse vient de lancer cette bombe-là. Je crois que, ce n'est pas une bombe mortelle. C'est plutôt une bombe intellectuelle, une bombe spirituelle. C'est à vous, chers étudiants, que ce soit du cycle ingénieur, que ce soit du cycle BTS, on ira même jusqu'aux formations qualifiantes. Celui-là qui se sera distingué de la belle manière, sans tricherie, avec un travail acharné, celui-là, avec le monsieur là que vous connaissez, je n'ai même pas besoin de vous le présenter, nous allons déterminer ici les critères et vous connaissez sa façon de faire, sa façon de voir. On ne va pas vous mettre la hache sous le cou, n'est-ce pas, comme la guillotine, mais seulement ce ne sera pas des critères insurmontables. Les critères d'excellence doivent se mériter, ce prix doit se mériter sans complaisance. Encore une fois, disons merci à la famille Keramigo, merci à Alphonse qui vient de proposer ces prix-là, et à vos crayons, à vos ordinateurs, à tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, pour que nous puissions perpétuer la mémoire de notre ami, de notre frère Claude ici, au sein de l'ISCAE. Voilà, donc, encore une fois, il faut faire un banc pour la famille. Alors, parfois il est difficile de parler là. Donc, les voisins, les voisines de Claude à la cité militaire à Sopim, 3e terrain, Col Makoura, c'est bien ça, se sont organisés malgré les difficiles moments pour rassembler 180 000 francs. Il faut les applaudir. 180 000 francs destinés aux enfants. Alors, je ne suis pas mathématicien, je suis humain. Hein? Pour faire les calculs, là, c'est trop compliqué. Mais il y a la sagesse africaine qui est là aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec les enfants? On va lui le mettre. Hein? Cette somme-là, je vais en donner, puisque c'est remis aux enfants. Peut-être même que je vais donner au petit, là. Je vais voir comment il va faire lui aussi. Daniel. Hein? Viens mon ami, passe la. Rentre sur la table là même qui vient ici. Oui, fais le passant aussi. Bien champion. Voilà. Et donc. C'est destiné aux enfants, c'est lui le plus grand. Hein? On va suivre un peu le petit. Hein? Mon ami, ça, c'est ton tonton et tes tantes, puisque c'est pour ton, toi et ton frère. Hmm? T'as compris? Voilà. Donc, tiens ça. Tu vas me donner ou bien tu donnes à qui? Bon, va avec. Va compris. Alors, on continue. Mais à l'impossible, ni les tenues.
Ils ont creusé aussi dans leur tirerie. Ils ont trouvé quelque chose. Pendant la veillée du samedi, nos amis informaticiens, bon, ils ont pianoté sur leur clavier. Ils nous ont sorti ce que vous avez vu là-bas en roue libre durant ces 2 heures, 4 heures de temps. Et pendant qu'ils le faisaient, ils ont collecté quelque chose à eux, et aux étudiants informaticiens hérités.